Fanette? Fanette? Tu passes à la télé? Enfin, sur YouTube. Sur YouTube. Arrête de pêcher la patte, tu deviens une star. Fanette? Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai repris les vidéos depuis peu, comme vous avez pu le voir, malheureusement pour vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour la, ou pour le, Geek Pack. Donc c'est une nouvelle boîte que je n'avais pas présentée encore. J'ai fait la Loot Crate 3 fois, mais celle-là, bah, pas encore. Donc Geek Pack m'a envoyé la boîte du mois de mai. Donc on va la découvrir ensemble. Ça fait à peu près 3 semaines qu'elle est sous mon bureau. Je l'ai reçue avant la Loot Crate. Et je la fais que maintenant. Et ouais, on voit les flemmards. J'ai un couteau, comme d'habitude. Il y a Dora qui est de retour, mais vous la voyez pas. Dora, viens. Viens, Dodo. Attends. Bon, par contre, par rapport à la Loot Crate, il faut juste ouvrir un espace et c'est bon. Elles ont scotché tout le tour. Donc. Je suis feignant et manchot, je galère. Alors, si je suis mal coiffé, c'est que bah, je sors de la douche, ça brille encore. Ok, c'est pas par là. C'est pas par là. Bref. Ah, bah, j'ai compris. Donc, je ne sais pas quand je vais l'upload cette vidéo. Parce que il y a vachement d'orage chez moi en ce moment. Donc là, il est dimanche. Dimanche 14, non? J'ai pas mon téléphone. Il est 10h du matin. Donc à mon avis, je vais l'upload lundi ou mardi. Ou mercredi. Ou jeudi. Donc, du papier. On regarde vite fait quand même. Donc on va commencer par. Une peluche Dark Vador. C'est pas non, non c'est une peluche et bah, c'est un collector, c'est une peluche collector Dark Vador, elle est pas mal. On va la mettre, on va la mettre avec le pingouin là. Voilà. Ensuite, j'ai même pas pris la peine de me coiffer. Ensuite. C'est une figurine. On la voit pas. Je peux aller dessus, je glisse de derrière. Attends, je sais pas si vous voyez bien, j'ai une qualité assez médiocre aujourd'hui. C'est une figurine. Alors, c'est un mec qui est sur une barre de. Le gogo danseuse. On va l'ouvrir comme ça on la verra mieux. Mais bon. Ça se fout pas avec le couteau ça. Peut-être là. Je vais. Pour ceux qui jouent à Advanced Warfare, je vais commencer à faire des top 10 de kills. Genre top 10 full team, top 10 sniper, top 10 kill what the fuck, top 10 R&D et tout. Donc envoyez-moi vos clips, vos meilleurs clips et ils passeront sur ma chaîne. Comme ça je vous ferai de la pub en même temps. Vous n'aurez pas besoin d'attendre mais je présente vos chaînes quand je vous fasse de la pub. Comme ça vous me passez un clip. Quand je fasse le top 10 et vous passez. Si j'aime votre. Bon à mon avis je vais pas recevoir beaucoup au début donc vous aurez plus de chances de passer au début. Et comme vous avez pu le voir hier, avant-hier, j'en ai sorti un, mais c'était avec des clips que de moi. Et je vais vous en sortir un avec des clips 100% à moi. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ceci. On va. J'arrive pas à la sortir. Je sais pas ce qu'il fout. Il est sur une. Voilà. Sur une barre. C'est pourquoi. En fait,
C'est un truc qu'on met sur les écouteurs. Je vois pas l'utilité. J'en ai pas là. Là, j'ai tout mon casque, on va essayer. Mais les fils sont un peu gros sur les casques. Salut, c'est Benadistel Gaming, youtubeur. Alors, ça se met là. C'est un peu gros là. Ouais, c'est pour les écouteurs. Je vois pas l'utilité de mettre une figurine là. Je suis en train de me faire piquer la vedette. Donc, je vais le remettre sur sa barre de gogo dancing. J'ai un truc qui va me rentrer dans l'œil. Et tu vas aller. Dans la boîte des objets de merde. Voilà. Là, t'as quelques trucs. Genre les lacets la dernière fois, la montre. On va la laisser là, ça peut toujours servir. Qui es-tu? Ça me dit quelque chose, donc c'est Halo. Donc bon, ça dit quelque chose à tout le monde. Et je pense que c'est des mini-figurines. Voilà. Ah oui, c'est un truc à construire. Attends. J'aurais pu me coiffer quand même. Bon, je suis sorti de la douche, j'avais les cheveux mouillés. Normal. Si tu sors de la douche, sors les cheveux mouillés, appelle-moi. Donc. Ouais, c'est une petite figurine à construire. Bon, je vais vous montrer. Pour l'instant, j'ai plusieurs petits morceaux. On va la construire. Donc. On dirait un chien handicapé. Bonjour. Bonjour. Tu veux manger? Tu veux manger des Pringles? Pas bête. C'est bon ça. Tu changeras les draps. Ok. Je donne les Pringles au chien. Alors. De construire ça, ok. Il n'y a pas le plan, c'est à dire, Benoît, démerde-toi. Alors, ok. Bon, ça c'est le buste, faut pas être con. Ça c'est la tête, le buste. Ça pique. C'était des Pringles sur paprika. Bon, ok. Allez. Allez, rentre, connard. Allez. Ah! C'est rentré comme papa dans maman. Enfin, au tout début, tu vois, c'est rentré un peu durement. C'est quand tu fistes pas. Shogun. Bon, mets-toi là. Bref. Ça veut pas. Ça veut pas. J'ai au moins mis la tête. C'est un bon début. Putain. C'est pas pratique. En plus, ça tourne. Allez. Tu peux le faire. Bref, va te reculer, merci. Bref. Donc, normalement, quand on arrive à le monter, ça donne ça. Celui-là. Mais bon, j'arrive pas à emboîter les pieds. Parce que là, ça tourne.
Et quand j'emboîte, ça me fait chier. Non. Bon. Toi, viens là. Ça retombe dans le plastique. Hop. Je sens que tous les objets là que je mets dans la boîte à objets de merde. La boîte des objets inutiles. Je vais tout emmener à la Paris Game Week et je vais les distribuer. Donc si quelqu'un veut la figurine Halo, mets-le en commentaire et viens à la Paris Game Week, je te la donne. Cadeau. Voilà. C'est pour toi. Tu mets je veux, tu viens à la Paris Game Week, on se rend compte, je te le donne. Oh! Ensuite. Un porte-clés. J'ouvre avec les dents alors j'ai un couteau quand même. J'ai même pas besoin. Docteur Wu, c'est écrit. C'est un porte-clés. Alors je sais pas ce que ça représente exactement. C'est pas une arme. Et derrière, c'est écrit Docteur Wu. Wu. Ça, je garde. Ça peut servir. Ensuite. Alors. Ah, ça c'est bien. Alors c'est le meilleur cadeau. Ah, c'est une bonne botte. Ils ont mis un super bon cadeau. Bébé se mumise. 21 ans, il joue avec les bulles. Voilà. Allez. Bref. Je jouerai avec plus tard. Voilà bas. Donc c'est un verre Star Wars. Je vous l'ouvre. C'est pas mal quand même. Ils mettent des bons trucs. Donc un verre avec Dark Vador. Donc il y a pas mal de trucs Doctor Who, Star Wars. C'est le deuxième. Avec ça. Donc le verre. Je peux me mettre. Oh le con. J'ai ma chienne, elle se gratte la patte. Donc je balance sa manette dessus et ça allume la PlayStation. Putain. Et pour finir. Donc c'est le dernier truc. Star Wars encore. Amiral Akbar. Je connais pas trop Star Wars. Enfin, je connais Dark Vador et Princesse Leila, c'est tout. Et Maître Yoda. Le petit pédophile vert. Alors, c'est une figurine en carton à construire. Donc, c'est un cadeau complètement carton. Je sors, c'est tout pour moi. Alors je suis en concert les jeudis, vendredi. Je fais même les baptêmes et les enterrements, voilà. Donc, on l'a fait ou pas? La flemme. Un. Ensuite, en deux. Je vais faire dans l'ordre. Hop. Ok. Mon petit truc, j'espère que ça sort. Viser la lune, ça me fait pas peur. Bref, le mec est en dépression. J'en ai profité pour faire le Geek Pack là parce que
Il y a toujours du bordel chez moi et là il n'y a personne chez moi. Donc à peine je suis rentré du boulot, je l'ai fait. Voilà. Il y a plein de trucs à enlever. Je crois que je vais plus me faire chier quand je vais devoir tout chercher tous les petits bouts pour les foutre à la poubelle. Je les fous là. Hop. Allez Gérard, merci. Et toi? Donc, à chaque fois, on me demande des nouvelles de mon sac poubelle. Donc, ça n'a pas changé, c'est toujours le sac Jules. Avant, c'était Game Cash. Et là, c'est Jules. Voilà. Mon PC il passe l'aspirateur. Allez bien, c'est bientôt la fin. On y arrive. Enfin. Donc je ne sais pas si Geekpack va me renvoyer une box le mois prochain. Parce que voilà, ils m'ont fait tester. Ça va, il y a des trucs pas mal. J'ai bien aimé la pluche collector. La peluche. Et pour finir, le dernier truc. En fait, c'est super moche de près. Voilà, nous y sommes arrivés. Où je vais le mettre. J'ai bugué. Si quelqu'un le veut, viens à la Paris Game Week. Dans la boîte. Donc, délacé Marvel, une figurine de merde, une figurine Halo, une montre où on peut pas changer l'heure, un mec qui fait du. Qui se tape une barre, des pins. Voilà. Il y a plein de choses à obtenir gratuitement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bah moi je vais vous laisser jusqu'à la prochaine vidéo et ciao bye bye les gens. Peace.